Trophée, succès, purge, battez les 4 aberrations. Alors, c'est dire 4 destinations assez importantes au niveau de la map. Alors, vous les repérez, ça va être une espèce de gros dragon, grosse gargouille. Là où d'habitude vous avez des petits spots pour des châteaux plus classiques. Des gros affrontements. Alors, si les affrontements en soi, c'est pas simple. Vous verrez, chacun est sensible à l'un des pouvoirs que vous gagnez au fil du jeu. Je vous conseille très clairement d'attaquer ça à la fin pour deux raisons. À la fois par rapport à la puissance nécessaire, le fait de débloquer bien sûr les sorts dont chaque monstre est sensible, et en plus, souvent en termes d'accès, ils sont pas faciles d'accès. Et même, vous le verrez, les deux derniers sont carrément hardos. Faut vraiment vouloir se balader partout sur la carte pour trouver où ils sont. Tout de suite, on regarde où trouver les 4 aberrations. Alors, notre prochain objectif, affronter une très grosse bête. Donc, on est au milieu de la prairie des pionniers. Là, on a affronté, je crois, notre première panta. Pas très loin ici, on a un parvis rocheux. On va tenter d'y accéder. Donc lui, par contre, se situe au mont Garnison. Je peux même plus bailler maintenant. Quelque chose d'extrêmement puissant approche. Mieux vaut ne plus être là que ça. C'est peut-être trop tard. Attention! Alors, en termes d'accès, on va pouvoir contourner à côté ou de l'autre. Ces trucs bizarres, c'est à cause de la brume? J'imagine que oui. La vache, c'est quoi exactement cette putain de brume? J'arrive. Proche. Méfie-toi. Ah.
Ça y est, on y est. Nous sommes repérés. Magie de l'as. Bordel, fais chier, merde. Ok. Ça s'annonce. Il a du nouveau là. Tu n'as pas intérêt à perdre ton sang-froid. Génial. Bien, il attaque mon clone. Oh là 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 là. À la caméra là, vous êtes pas. Ah ouais. Maintenant ou jamais. Ok. Allez, allez. Ne panique pas. Pas dû voir mon clone là. Des fois, il y a des murs invisibles, je trouve, lors des esquives. En temps normal, c'est pas gênant. Mais face à un monstre comme ça, pour les esquives, c'est franchement gênant. Hein. C'est vrai qu'on peut disparaître, j'avais oublié ça, vu qu'on a battu le boss final. Il est où Michel? Calmer.
pour ce travail. Et tu as raison, excellent résultat. Ouais, le combat pourrait être assez épique et sympa, mais... des fois, la réactivité des esquives et ces effets de mur invisibles gâchent un peu la fête. En tout cas, voilà pour cette première bébête. Terre noyée, nouvel affrontement épique, vernis encore à la clé. Alors, en termes d'accès, sur celui-là, on n'est pas très loin, comme l'autre, hein, d'un boss qu'on avait affronté, celui où il y a la grosse sphère d'eau. Donc si dans l'histoire principale on arrive par ici, là on peut traverser toute cette zone là. C'est de l'eau hein, donc une fois qu'on a terminé le jeu on peut surfer dessus. Et une fois qu'on est là, hop, on passe par ce chemin là, parce que par là faut pas grimper. Et là on peut accéder au boss, sachant que moi j'ai déjà débloqué un point de déplacement rapide ici. Là, on peut le voir au loin, notre ami. On peut pas me revenir. Magie de fer. Réfléchis okay. Avant d'agir. Qu'est-ce qui marchera le mieux? Je réfléchis. Ah, te voilà, toi. C'est l'un de mes sorts préférés celui-là, donc s'il l'aime bien, on va lui en mettre plein la tronche. Hein. Est-ce qu'il est barré? Allez. Faire mal.
ce qu'elle est. Niveau XP, ça paye bien. Hein. Avec toute la mana qui va avec derrière. Nouvel affrontement, plateau du sud. Alors attention en termes d'accès, alors là. On est rentré dans une zone extrêmement complexe à accéder. Donc là ici il y a un refuge, mais vous dire de partir de ce refuge ça va pas aider énormément. Il faut revenir beaucoup en amont. Ici, domaine de Tanta, où il y a un des affrontements. Ici bon il y a un refuge auquel on passe devant. Ici il y a un château. Avec trois portes, généralement dans le cas de l'histoire, on arrive par ici et on va tout droit. Là, ce qu'il faut, c'est passer par là. Et à partir de là, en fait, il n'y a plus vraiment de difficulté. Il faut juste viser le sud. Alors bon, moi, c'est dans le cadre de la balade dans cette zone. On vise cette maison. Ici, en fait, alors là, il y a une espèce de grand couloir. Là, il y a une partie entre guillemets problématique, il vaut mieux avoir des sorts de parcours qui nous permettent de léviter en l'air, de sauter plus loin, enfin tout ce qui peut nous aider, donc il vaut mieux pas le faire trop tôt pour pouvoir se balader de point en point. Il y a des systèmes d'accroche pour pouvoir nous balancer, ce qui nous permet en fait de longer cette partie là. Après, une fois qu'on est ici, il n'y a plus spécialement de danger, c'est une grande plaine. Viser le point de déplacement rapide et remonter par ici. Alors quand en fait, même s'il y a de la brume, quand on se met à certains endroits, on arrive à voir se dessiner les choses, et en fait on voit qu'il y a un chemin. Ce qu'il faut c'est viser la grotte des montagnes, et après il y a juste un cours d'eau, c'est pas un couloir, on peut pas trop le louper, et viser l'affrontement. Et je pense en fait on met plus de temps à arriver jusqu'ici que à battre notre ennemi, même si bon faut arriver bien stuffé en termes de magie, de santé, de défense. Alors, qu'est-ce qu'il aime lui? Scylla. Immense forme. Allez, on a ce qu'il faut pour le malmener. Petit tir. Juste balancer tous nos sorts. Je sais pas ce qu'il nous prépare, mais je préfère me barrer. Voilà. Waouh, la désolation. On y va.
Merde, j'ai loupé une attaque pour quoi. Putain, je l'ai battu. Je l'ai battu, mais tu as su mettre à profit mes talents. Putain, merde. Mais comment j'assure grave. En fait, peu importe. Alors, dernière grosse bébête du côté du Junoun. Alors, on avait déjà eu les fontaines. Donc, en termes d'accès, on a un affrontement qui est ici et on était passé en fait sur le côté. Tac tac tac. Là, il n'y avait rien de compliqué par contre. Pour accéder à cette planque ici au niveau de la côte de la confluence, il fallait impérativement passer par les abîmes ici. Si on essayait de sauter directement là. Dans tout ce bassin là, en fait, on n'y arrive pas, on est bloqué. Donc il faut passer absolument sur le côté, traverser un étendu d'eau. Et là, ici, on se retrouve bloqué si on va aller visiter ce qui se passe par là. Alors, on a un vernis à aller choper dans la zone en face de nous. Et à un moment donné, si on se balade ou qu'on utilise notre sens, on voit qu'il y a une pierre pour grimper. Et c'est ça qu'on va utiliser. Bien sûr, il faut mieux avoir les sorts de déplacement adéquats les plus développés possibles pour que ce soit facilité également la lévitation. Ça nous aide. Et là on voit qu'on va pouvoir accéder à la zone qui est là-haut. Alors que si on est en contrebas, en fait, on n'a aucun point d'accroche, c'est complètement trop haut. Même là, moi, c'était un peu limite. Là où faut pas avoir le vertige hein. Ça dessine devant nous ce qu'on a affronté hein. On va rentrer dans la phase où il est important d'avoir maximisé toute la magie de déplacement. Pour que ça consomme un minimum d'endurance. On va malheureusement traverser une zone de brume infinie. Je trouve que même sans les ennemis, c'était déjà assez compliqué de traverser. Alors en plus, il y a les ennemis, visuellement la brume. Là, les développeurs ont vraiment été salés. En plus, il met pas trop à l'honneur leur système de déplacement parce que la caméra a tendance à se coller à nous. Ce qui fait qu'on voit plus trop le principal, c'est-à-dire où on veut
aller et comment y aller. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas trop gêné de se poser la question de savoir où on va. De toute façon, ce qu'on veut, c'est monter. Pareil, on est toujours sur le phénomène de mur invisible, comme pendant certains combats, avec les esquives. Traverse. Elle a pas voulu s'accrocher là. Essayer de céder des surfaces violettes pour grimper. Ah, ça veut pas. J'espère que les bestioles qui sont là n'y sont pas pour quelque chose. Parce que c'est embêtant. Putain. On va peut-être essayer en face. Ouais. Oh, y a des itinéraires bis. Alors on a également notre sort qu'on débloque à, contre le boss de fin. Il peut nous aider, par contre il faut bien le maîtriser, notamment la fin du sort quand on a une toute petite plateforme sur laquelle se recueillir. Je vais utiliser ça là parce que c'est à la fois loin et compliqué. Alors si on l'améliore ce sort là, je crois qu'il il augmente la magie et en plus il ne consomme pas d'endurance. Donc quand il n'y a plus que de la traversée comme ça, c'est déjà plus agréable. On est sorti de la brume. Alléluia. Alléluia. En plus, je crois qu'en plus, on va pouvoir, on va pouvoir sauvegarder. Hein, qu'on est là. Voilà. On a traversé une des pires zones du jeu, hein, clairement. Alors, notre objectif,
Et quelque part par là, et sur le chemin, il va y avoir une petite safe house. Et encore une fois, on va avoir des piliers sur lesquels il va falloir sauter pour accéder à cette zone. Tant qu'on descend, c'est pas trop un souci. Avec notre sort de. De lévitation, tout va bien. Là, ça peut être un petit peu plus compliqué à gérer, mais bon. Oups! Par contre, c'est un très bon exercice de style pour chercher à maîtriser les déplacements de notre héroïne. Okay. Une fois qu'on a traversé la brume. On est bien, donc voilà. Notre safe house. Au début, je pensais y aller au bout, mais finalement, c'était un peu loin pour le faire d'une traite. Hein. Putain, c'est quoi ce truc? Je serai là. Tu as dû empêcher Robian de revenir en ville, j'imagine. Thank you.
Et mon serpent des mers a réussi à l'atteindre. Sympa quand il est un peu moins dans les airs. Intensité. Alors quoi? Cette créature a-t-elle tué Robian? Non. Mais s'il avait pas été arrêté, il aurait pu rentrer à Sipal. La brume l'aurait jamais embrumé. Bien, ben voilà pour notre quatrième bestiole. Hein. Bon, très clairement, le plus dur, hein, c'est cette partie-là. Enfin, plus dur. La plus casse-pied, hein, très clairement. Pas très fun.